Comment et pourquoi ces gens font encore ça en 2024? Alors je t'explique. Ici derrière moi, langue yéménite. Ibn Omar radiallahu anhu, qui est le fils de Omar ibn Khattab, qu'Allah agrée les deux, a dit: j'ai vu le prophète alayhi salatu salam toucher cet angle et la pierre noire. La pierre noire, c'est l'angle qui va être en face. Donc je vous le souhaite à tous, lorsque vous allez faire la Umrah, vous allez voir ces deux angles, qui sont des angles où, alhamdoulilah, si tu peux les toucher, c'est bien. Mais, au grand jamais, si tu vois qu'il y a énormément de monde, regarde, là, il y a une femme, et là-bas, c'est que c'est une adoration, c'est surrogatoire. Si tu vas là, tu prends des péchés, tu t'es déplacé de je ne sais où, tu as dépensé je ne sais combien pour prendre des péchés. Alhamdoulilah, grâce à Allah, je suis allé maintes et une fois en Umrah et qu'Allah me rajoute des Umrah. Je n'ai jamais voulu toucher la pierre noire car à chaque fois il y avait du monde. Arrêtez de vous fixer cet objectif, ce défi pour certains.